Bonjour, je suis Charles Ayetan, togolais, journaliste et critique de cinéma. Parmi les films qui m'ont impressionné, je peux citer Il a pleuvoir sur Conakry, du réalisateur guinéen et tchèque Fantamadi Camara. Ce film était en compétition officielle au FESPACO 2007 et j'ai eu l'occasion de le visionner au ciné Burkina un matin à 8h. Quoique programmé à 1h très matinale, le public était venus très nombreux et la salle était pleine à craquer. Le film porte sur l'histoire de deux jeunes, une histoire d'amour quasiment impossible, une histoire d'amour impossible entre deux jeunes. Bibi, qui est journaliste et caricaturiste, et une jeune et belle jeune femme, Kesso, qui est informaticienne. Cette histoire d'amour quasiment impossible va susciter tout un débat autour des thématiques telles que modernité et tradition, religion et syncrétisme, instrumentalisation de la religion par les politiques, les questions de société, les conflits de génération entre les parents et les jeunes, comment choisir son conjoint, comment vivre librement sans l'emprise des parents, etc. Et au cœur du film, il y avait aussi la question de la pluie. Et ces sujets ont suscité beaucoup de réactions du public parce que c'est des questions qui sont d'actualité encore d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, je garde un grand souvenir de ce film. Et j'avais eu l'impression que ce film pouvait remporter le prix du public. Et heureusement, à la fin du festival, le film a remporté le prix RFI du public.